You are now watching the M2 Show. Show. Yeah. M2 Show. The M2 Show. Yeah. I say sit down and watch, sit down, relax. The M2 Show's about to come on your screen. I don't care who you are, if you know what I mean. Life's too short to live entirely in sadness. That's why I'm trying to fight and stop this madness. People worldwide gonna see the M2 Show. Right job with the liver, will I make a blow? From fashion, entertainment, will I let you know? Paris and white and the motherland. Baby, this is how we do it, just let it go. Watching the M2 Show. Riva. Oui, oui, papa. Même ça que une. Même la kinis. Marchandise payée. Au JM. Ah, ma slingue. Bon, viens, bureau. J'ai essayé de te trouver pas mérité dans la soirée. T'as l'air d'un abo, mon mousse. Dis-moi tout, hé. N'aie pas ça que nous. N'aie pas ça que nous. N'aie pas ça que nous. Sois ton petit grand. Riva. Ensuite. Voilà, Jean-Louis Mafema, nous avons Joe Munga ici avec nous, notre frère du Congo. Nous sommes vraiment trop fiers de toi. C'est Roger, mon entourage avec The M2 Show. Nous avons un show ici aux États-Unis que les membres de la communauté. Nous avons aussi Gary Wele, qui est Bacolo State, qui a aussi son show avec lui. Nous sommes les deux donc, journalistes de la communauté congolaise ici aux États-Unis. Nous sommes trop fiers de ce que tu viens de faire. Je ne sais pas, c'est comme je causais avec... Monsieur Senga là-bas, Christian, qui nous disait je ne crois pas que Joe réalise ce qu'il vient de faire. Je crois même que jusque-là, tu ne réalises, si ça ne te dérange pas, Christian. Non, petit, pas de problème. Tu ne réalises pas ce que tu as fait. Je ne sais pas. Je sais pas parce que nous sommes ici. Tu viens ici plusieurs fois, c'est bon, mais tu es en Belgique. Non, c'est ma première fois ici. Ah bon, première fois. Je suis venu une fois visiter quelqu'un, mais je ne suis pas quelqu'un des États-Unis. Ton anglais, c'est super. D'abord, merci. D'abord. Voilà. Mais je ne sais pas si tu réalises que nous, en tant que les gens de médias, nous avons beaucoup de contacts sur le Facebook. Les gens nous écrivent le film. Nous avons eu Pacha qui est venu en studio aussi. Ah, d'accord, super. Monsieur Pacha qui a super parlé Pacha. Beaucoup, qui a vraiment jeté des fleurs chez Joe Munga. Alors aujourd'hui, c'était vraiment une occasion de t'avoir. Mais au fait, la première question, c'est, je ne sais pas si tu réalises ce que tu viens de faire. Non, je ne sais pas. Ouais. Honnêtement, vous savez, je suis en train de travailler. Ouais. J'ai fait le film, c'était toute une expérience. Et j'ai parlé de l'équipe qui a travaillé avec moi au Congo, les gens du bureau. J'en profitais pour saluer Harley, Véro, Yves, JKM, tous les gens de mon bureau qui sont là, qu'on ne voit pas. Et bon, voilà, moi je fais mon travail, je fais le film. Et bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'un distributeur américain qui a vu le film à Toronto a trouvé que c'était un bon film et a trouvé que c'était peut-être une possibilité de changement. Donc voilà, il a pris. Après, ça a bien marché en festival. Maintenant, on l'a sorti ici et tout ça. Voilà, j'espère simplement qu'on va pouvoir confirmer ça aussi avec les gens qui vont venir voir le film. C'est sûr, c'est certain. C'est certain que ce film, nous avons vraiment l'impression que ça va cartonner ici aux États-Unis. C'est qui va, au fait. Cartonne, on va. Là, je dirais peut-être. Ah oui, d'accord, effectivement. C'est qui va, en fait, t'es donné la possibilité de créer un autre film, comme tu venais de le dire tantôt là. Parce que dans la salle, parce que t'as pris quand même 7 ans pour faire ce film. Oui. 7 ans pourquoi? C'était le founding, financial. Bon, d'abord, comme je disais tout à l'heure, être congolais, c'est difficile. Ouais. C'est-à-dire, on a une mauvaise image, on n'est que des voleurs, ouais. En plus, les gens pensent qu'on n'est pas des intellectuels. Ouais. Donc, quand vous vous retrouvez avec des directeurs ou les gens qui financent des films, ils vous disent, ouais, congolais, bon voilà. Ouais. Si on est sud-africain, si on est, je sais pas moi, ouest-africain, ouais. C'est plus facile. Ouais. Donc il y avait ça comme barrière, mais surtout la croyance qu'on n'est pas capable de faire les choses. Ouais, exactement. Et ça, c'est ça qu'il faut changer. Ouais. Et quand je disais tout à l'heure dans la salle que les 2/3 de l'équipe étaient des Congolais, ouais. C'est vrai. Ouais. Mais parce qu'on s'est investi, on a travaillé, on a formé. Ouais. Et donc les gens ont une compétence à pouvoir exploiter quand on donne l'opportunité. Les Congolais sont travailleurs. Ouais. Et surtout les jeunes veulent vraiment avancer. Ouais. Donc maintenant, quelque part, moi ce que je vois plutôt, c'est qu'il y a une fenêtre ouverte. Tout d'un coup... le milieu professionnel international, comme ici, se disent, tiens, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. On va voir si ça va vraiment se passer. Parce que le film sort ici maintenant, mais il sort aussi à Londres dans 2 semaines, où je vais aller. Et bon, voilà. Donc maintenant, je vais dire quelque part, au niveau des publics européens,
ça marche bien. Hein, au niveau du public occidental, les gens qui aiment les films, bon, ils viennent voir et ça marche plutôt bien. Donc maintenant, le test aussi, c'est de nous-mêmes. Est-ce qu'on croit en nous-mêmes que pour venir aussi participer au cinéma ? D'accord. En sachant que je vais être un peu militant, hein, ouais, je suis désolé, ouais, ouais. Mais quand vous venez au cinéma, pensez que vous créez aussi de l'emploi. D'accord. Exactement. Faire des films, c'est pas seulement on fait le film, c'est aussi des gens, des familles, des salaires. Ouais, voilà, c'est une, c'est, voilà. C'est toute une, c'est industrie, quoi. Voilà. Et donc, ce lien-là, on va voir. J'espère que les gens suivront. Mais voilà, mais c'est déjà une belle expérience d'être ici, de vous voir aussi, merci, au jour le jour, les gens qui sont contents. Voilà. Ça me touche beaucoup. Bien sûr. Non, vous savez, parce que honnêtement, il y a 10-15 ans, on ne voyait pas d'Africains ou de Noirs dans les salles de cinéma venir voir des films africains. Et donc, quand je suis venu ici ou dans d'autres festivals, j'ai vu des Africains venir payer leur ticket, venir voir leur film. Et ça, c'est beaucoup. Ça m'a beaucoup touché, personnellement. C'est l'occasion de le dire. Ça nous a touché. Moi, personnellement, je suis aussi un acteur. Je travaille beaucoup avec les Nigériens. Ils m'ont appelé le jour d'après où vous étiez au Nigeria pour nous dire, pour me taquiner un peu, vous les Congolais, vous nous avez cassé les... Moi, alors là, je ne connaissais même pas encore ViVA RIVA. J'ai dit, mais de quoi, qu'est-ce que vous me dites là? Alors, ils m'ont envoyé au website, sur le website. Alors, je suis allé sur le website, je regardais. Alors là, j'étais vraiment émouvé. Je suis très content parce qu'on se taquine toujours ici, mais c'était vraiment notre fierté. Mais G.I., juste préciser de quoi il s'agit. De quoi il s'agit. Non, exactement, c'est le film. En fait. C'est le film, mais en fait, le Nigeria, c'était les African Movie Awards, où pour une première fois, on a un film francophone qui a gagné 6 prix. D'habitude, c'est toujours des films nigérians, kenyans. Mais il y avait des films anglophones. Il y avait des films anglophones de la compétition. Et donc, on a gagné meilleur film. On a gagné aussi meilleure actrice pour le second rôle, qui est Marlène Longangé, une comédienne du théâtre. Oji Fortuna, un Angolais, qui a gagné. Meilleure caméra, meilleur... Six prix, oui. D'accord. Voilà. Eh, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal pour une première fois, c'est pas mal. C'est pas mal. G.I., avant que je pose la question, en tant qu'homme des médias, j'étais avec Pacha au studio. Nous lui avons posé la question, il a dit qu'il avait l'impression que le média congolais, on ne faisait pas trop de bruit à ce sujet. Toi, en tant qu'homme des médias, et aujourd'hui, tu as le directeur, le réalisateur du film, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, avant que tu ne poses la question? Merci Raja, comme tu dis, c'était une interpellation et cette interpellation n'est pas tombée sur le pierre et nous voilà aujourd'hui, nous sommes venus pour essayer de couvrir tout ce qui se passe ici. Et toi, tu es membre de médias, tu es aussi Congolais comme nous autres, tu couvres aussi la même chose. Moi, je pense que c'est à nous Congolais, c'est notre responsabilité aussi à nous de porter au loin ce que nos frères sont en train de faire. Quand un homme comme ça se dépense, se coupe en 1000 morceaux, pour ouvrir une porte pour le Congo, je crois que nous avons le devoir d'être derrière lui et le soutenir partout où il va. Exactement, quand tu as le California Reporters, les New York Times, le Washington qui en parle. Il ne faut pas que M2 Show manque, il ne faut pas que Bakolo State manque. Donc c'est de notre devoir de faire de sorte que les gens comprennent que les Congolais ne dorment pas. Donc les Banga, ils suivent. Nigeria Bagomo Bang, puisque le Nigeria a pris l'avance sur nous, ils ont pris vraiment l'avance sur nous. Bazo sala bateyatre oyo bandevona biso basala ba maboke, mais aujourd'hui pona mona misala bino bazo sala surtout ndevona biso jo makamasali. Je pense que c'est très très important que le loyo tome mango musika. Alors je veux profiter de cela aussi pour vraiment transmettre mes félicitations à toi Joe. Vraiment, à mon nom personnel, Gary Well, et au nom de ma petite entité de presse, au nom de toute la presse congolaise ici, nous voulons vraiment te dire merci et surtout félicitations de tout ce que tu fais. Mais ma préoccupation, c'est ceci. Et la grande barrière ici dans ce pays, c'est une barrière de langage. On nous dit toujours, nous produisons nos chansons, nous produisons nos documentaires en langue de chez nous. C'est ça qui fait de sorte que nous ne puissions pas être propulsés. Mais curieusement, vous avez pensé à travailler avec des Congolais et dans de langues congolaises, Lingala bien sûr. Oui. Mais aujourd'hui, ce produit qui a été filmé et réalisé pratiquement à Lingala est aujourd'hui sur le big screen dans le théâtre ici aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à tous ces gens qui se voient un peu frustrés? Puisque peut-être ils travaillent en Lingala, peut-être ils travaillent en français. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là aujourd'hui? Vous êtes en train de réussir un pari. C'est un faux débat. Ce qui est important, c'est pas tant de faire le film en anglais, mais d'avoir une bonne histoire. D'accord? Parce qu'en fait,
tout d'un coup, avec ce film-ci, les gens nous considèrent comme des films chinois, comme des films suédois, comme des films français. D'accord ? On est quelque part au même niveau et on nous sort de la même manière. Donc la question n'est pas tant de la langue, mais la question est plutôt du contenu. Et donc j'invite plutôt les jeunes réalisateurs, j'espère qu'il y en aura beaucoup plus, de se focaliser sur produire du contenu, produire des histoires qui peuvent parler à tout le monde. Et puis après, les gens ont aussi du plaisir à voir un film en lingala parce qu'ils découvrent. Un film, c'est un voyage. Donc quelque part, les gens se disent, tiens, je vais prendre un ticket, je vais écouter les gens parler en lingala, ils ont de la musique, et puis il y a les rues, et puis il y a la danse, et tout ça. Et voilà, c'est un plaisir. Et donc, on doit garder ça. Et maintenant, moi, en tant qu'artiste, quelque part, on est aussi ambassadeur culturel. Donc, je n'ai pas intérêt à faire un film, je ferai des films en anglais ou en d'autres langues, mais dans ce cadre-ci, je dois faire un film qui doit représenter ma culture, et dans tous les sens du terme. Et donc, la langue fait partie de la culture aussi. Oui, rapidement, avant que, parce que ce n'est pas mon show, c'est le show de Roger. Mais alors, je voulais juste savoir, puisque là, apparemment, beaucoup de gens n'ont pas été informés. Ça, on reconnaît cela. Mais, c'était particulier parce que c'était invité par the American Film Institute, je pense. Voilà, justement. Donc, nous voulons savoir exactement quand est-ce que le film va sortir ici, dans le théâtre, pour qu'on puisse sensibiliser plus de monde et de venir. Le film sort à Washington, si je ne m'abuse, le 24 juin. Le 24 juin. Cela signifie qu'il y a une forte demande. Si le film est sold out, vous marquez le point pour Ndekonabiso. Vraiment, Boya et Belé. Ah, pour Ndekonabiso, t'es pour la bango mokope. Pour Ndekonabiso, pour Ndekonabiso. Donc, ils ont bendé la Congo et Télémiwana. On aura vraiment le temps de vraiment pousser ça et peut-être de lancer un mot à tous ceux qui nous suivent pour qu'ils viennent vraiment nombreux. Merci beaucoup, mon frère. Ok. Et bon courage et surtout félicitations. Merci. Gentlemen, I have a last question. German, I have a last question, yes. But this is going to be in English. Anglophone people who watches also the show, because we have a lot of people from Ghana and Nigeria also watch the show. Can you tell us, for those Anglophone who are watching, have you ever dreamed about coming and make a film here in the United States? Or your dream is just based in the Congo? Well, I mean, to answer you quite blankly, when people ask me that, you know, your film is doing well, are you ready to come to the US, make a film in Hollywood? I said no. You know, because, I mean, there are a lot of fantastic filmmakers here. And also, I suppose if I make a film about in Hollywood, they won't ask me to make a reality about African here in D.C. or elsewhere in the States. So I'll make another action movie that you can see. So there's no point. But if I have the opportunity to have some black American actors, you know, Forest Whitaker, Lawrence Fishburne, all these guys, I'll be happy to invite them in Africa to make a film. Right, to make a film with them. Yeah, absolutely. Right. Because I think they have something to share with us. You think it's still pure. There's still a lot of work far as the film. There are still so many stories to be told, you know. A lot of stories to be told, like in the Congo itself, there's no movie theater like you were saying. I mean, yes, but it's a start, you know. It's a start. We'll get there. I mean, in the reconstruction of a country, I mean, in my strategy was to first start by the production. First you produce, and then you start organizing the distribution. You know, can't do the other way, around. And so that's where we are. We have produced films, it's doing well, and also to our English-speaking people of Ghana and Nigeria, or in Kenya also, and South Africa, there have been a fantastic response, and I thank you, you know, in terms of the AMA Awards that we won was significant. And also we see the reviews, and I think it's more, it's not just about Congo, being Congolese, you know. Yeah. It's way above that. It's If people feel embracing that, I'd be happy. Right. Yeah, absolutely. Well, thank you so much, Joe. We know there's a lot of people here who want to see you and talk to you. Thank you so much for your time. Thank you. We get a chance to commitment. Thank you, sir. Appreciate it. That was Joe Munga, of course, the director of the film. We want to thank Jean-Louis Mafema, who is doing a tremendous job always with the M2 show.
and also all our viewers, all Anglophone viewers. That was the director of ViVA RIVA, as you guys are going to see in this whole video. People interview him, of course. You're going to hear it in all the languages possible, so you can kind of make a sense, get a sense of how the thing went and how the movie went. So we really, really appreciate you watching us here tonight. We're going to go around and then see other people and probably, hopefully, interview other people as well. Thank you so much for your time, and let's go enjoy, and we'll be back. Is it coming before it comes? A mastermind. Before he go to war, he count as one. A mastermind. Everything planned out perfect. In case y'all niggas got to get murdered.